aujourd'hui, moi, Agrippa, impératrice, je suis venue te dire que mon mari, Claude, est mort. Il est mort, empoisonné par l'absorption d'une amanite tumour qui se serait faufilée fallacieusement dans son omelette aux champignons. J'ai vécu avec lui ces derniers instants et je me dois de vous les narrer. Voilà. Claude, c'est moi. Je croyais enfermé dans un labyrinthe et cherchais désespérément la sortie. Il disait sans arrêt: j'aurais voulu être un artiste et demander pitié au Dieu. Je suis un numéro. Et ajouta: vous, les dieux, venez moi au secours. Dites-moi où est la sortie. Tout à coup, il s'arrêta net et cria: Eureka. J'ai trouvé. Il ouvrit la lucarne et se trouva sur le toit pentu. Il se mit à battre l'air de ses bras comme une mouche. Et il hurla au ciel: je suis libre car je suis amour. Je suis libre car je suis amour. Allez-y, je suis libre car je suis amour. Je suis libre car je suis amour. Allez-y, ça va vous sauver. Je suis libre car je suis amour. Je suis libre. Une larme coula sur sa joue. Conclut par ses doux mots. Putain, t'es vraiment qu'une conne. Mais qu'est-ce que je t'ai aimé. Il aide bien le gosse. Aide-le à me remplacer. Puis il sauta dans le vide. Pour finir sa chute en s'écrasant au fond du Nil bleu. Splash! Mais je dois vous dire que le boss dont il parlait n'est autre que le nom que nous avions donné à Néo, mon fils. Et ainsi je déclare, en ce terrible jour, Néron, nouvel empereur.